c'était important et c'est beaucoup mieux comme ça. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça que d'aller en étant 18e, 19e ou en tout cas avec moins de points. Donc c'est rien, à la fois c'est rien, mais c'est plus confortable. Enfin, pour nous, c'est plus confortable déjà d'être dans cette situation-là. Moi, réagir, c'est un grand mot. Après, on avait conscience déjà de ça depuis le début de saison, qu'on jouait le maintien, donc ça allait être difficile à chaque match. Là, ça nous a souri. Après, c'était pareil. Il y a des matchs qu'on perdait contre Angers ou d'autres matchs, pareil, où parfois ça se joue à rien. Et contre Nantes, pareil, ils ont une occasion, s'ils la mettent au fond, peut-être qu'on ne gagne pas le match. Et finalement, ça tourne en notre faveur. Donc, je pense, dans l'ensemble, il y avait des matchs assez cohérents et malheureusement, qui se sont joués à rien. Et on a toujours eu conscience de la difficulté du maintien. Et c'est plus dans ce côté-là où ça se joue à rien, parfois pas grand-chose. J'ai connu deux maintiens avec Amiens. Et donc, je suis passé par des moments ou des matchs très, très, très stressants et très importants. Pour cette situation, et c'est vrai que c'est jamais évident, c'est très long, c'est éprouvant, et le fait d'avoir connu ça, oui, effectivement, je peux aborder ça avec moins de pression, moins de stress, parce que je sais que ça va jusqu'au bout, donc ça permet de relativiser sur certaines défaites, et pas de se prendre trop la tête non plus, et puis d'être serein jusqu'à la fin. Après, moi, je me donne à fond, j'essaie de pas tricher, j'ai pas de complexe à avoir ou quoi que ce soit, juste en continuer de travailler, de chercher à progresser encore, et puis c'est bien parfois justement d'avoir connu plusieurs systèmes, plusieurs clubs, ça permet d'avoir connu plusieurs systèmes différents, des consignes différentes, aussi des styles de jeu différents. Et ça m'a permis aussi de beaucoup progresser sur plein de choses.